Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre mouvement de la danse traditionnelle japonaise, le Nihonbuyo. Ce mouvement s'appelle Kazashi. Il vient du verbe Kazasu, qui signifie se protéger du soleil ou de la pluie, avec une ombrelle, par exemple, qui signifie Kasa. Il y a également l'expression Kote o Kazasu, qui signifie se protéger du soleil. D'ailleurs, aujourd'hui, il tape fort. Alors, bien sûr, on ne va pas se protéger comme ça, ou comme ça. On va mettre la main avec le pouce rentré et on va positionner le bras comme ça. Alors, il faut imaginer qu'on regarde également alentour. À Kyoto, il y a beaucoup de montagnes. Donc derrière, vous imaginez plein de belles montagnes qu'on essaie d'admirer. Et on va se protéger du soleil. Donc, on garde la main bien perpendiculaire au spectateur. On garde l'espace ici, car on n'essaie pas de se protéger comme ça. On garde le soleil à distance. Et le regard va aller voir les montagnes au loin. Donc le regard passe juste sous la main, vers le haut, vers les montagnes. Donc le mouvement Kazashi va donner comme ça. Et on regarde loin devant. Je recommence. Kazashi, l'espace, le regard au loin. C'est facile, à vous de jouer.